Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire ma valise vu que je pars vendredi en vacances avec Julie que vous avez vu dans ma vidéo précédente. Donc voilà, je voulais tout de suite regarder ce que je mets dans ma petite valise pour partir en vacances. Donc je vais commencer par ma trousse à maquillage. Donc à l'intérieur on va trouver quelques produits de soins au début, notamment ce démêlant pour les cheveux à l'argile extraordinaire de chez L'Oréal qui rend les cheveux ultra doux. On a également cette eau micellaire qui est également un démaquillant de la marque Aderma et c'est le sans phase. Ensuite on a mon chouchou, vraiment je l'aime énormément ce parfum, c'est le Manifesto de Yves Saint Laurent que vous connaissez tous, ça fait un moment que je l'ai. Ensuite on a cette poudre avec un bronzer et un highlighter que j'aime énormément, que j'ai reçu dans une de mes box. Si vous avez regardé pardon, mes vidéos partenariat. Ensuite on a cette bébé crème, enfin cette CC crème pardon, Visibility Clear Correct et Perfect de chez Neutrogena qui est ultra courante et j'aime énormément. Ensuite on a la Naked plus basique avec des fards, enfin 6 fards plus que basiques, enfin ils sont vraiment géniaux quoi. Ensuite on a ce petit mascara qui est une miniature et deux le roller lash de Benefit qui est juste parfait, il fait pas attaquer, il est génial. Et donc pour utiliser tous ces produits, je prends seulement deux pinceaux. Donc un pinceau pour les yeux que j'ai reçu dans une des Naked et un pinceau pour le teint. Et donc qui dit couleur flashy. Donc pour les ongles, j'ai opté pour un vernis blanc mat et pour un vernis bleu turquoise. Ensuite j'ai pris également un eyeliner et un baume à lèvres de chez Carrefour que j'avais dans la main. Et ensuite j'ai deux rouges à lèvres, donc un de chez Kiko, donc c'est le Mirage en teinte 02 qui est juste magnifique. Et une huile pour les lèvres de chez Estée Lauder. Ensuite on va continuer avec la trousse de soie, donc là où il y a globalement tous mes produits beauté à part ceux qui ne rentrent pas. Donc on l'ouvre et ce que je vous présente en premier, il s'agit d'un protecteur de chaleur pour les cheveux. Puisque comme vous le savez, dans le sud il y a énormément de soleil et comme on part près de l'Espagne, donc à Canet-en-Roussillon dans le Languedoc, voilà, il faut quand même se protéger les cheveux. J'ai également pris une eau parfumée au Monoï de chez Yves Rocher. Et j'ai également le shampoing douche de cette même gamme, au Monoï de Tahiti. Et cette gamme sont juste tellement beaux. J'adore leurs produits. En plus, ils sont ultra moussés, ils sont beaux, ils sont agréables à utiliser. Vraiment, je les adore. Ensuite, j'ai pris un exfoliant pour le corps au sucre de chez The Body Shop que j'avais reçu dans un de mes coffrets à Noël. J'ai également ma crème hydratante Aderma, donc c'est la Exomega celle-ci. J'ai également pris du B-Oil, donc pour les verres et les cicatrices, pardon, principalement pour moi. Et enfin, tout simplement, ma brosse à dents et mon dentifrice. Avec tout ça, j'ai également ma brosse à cheveux que je vais mettre dans ma valise. Et un produit qui ne rentre pas dans ma trousse, il s'agit d'un produit qui vous aide à bronzer beaucoup plus facilement. Donc je l'ai acheté chez Kiko et il est franchement super bien. Donc là comme ça la couleur peut faire peur, mais je vous assure que sur la peau elle ressort, on va dire, à la couleur du pot. Et il est franchement super bien, enfin, personnellement je l'adore. Et bien évidemment, on ne part pas à la plage sans ses maillots de bain. Donc moi j'en ai sélectionné 3 pour partir pendant 2 semaines en vacances. Donc le premier c'est un maillot de bain de la marque Triangle qui est comme ceci, donc bleu turquoise que j'aime énormément. Donc il est légèrement grand mais bon ça se voit pas trop, en plus il y a un peu de rembourrage dedans donc voilà ça passe. Et ensuite les deux autres je les ai achetés à Jennifer. Donc celui-ci il est fleuri, il est fluo et je trouve tellement beau. En plus il n'a pas coûté cher. Donc voilà, ça peut que m'arranger. Et celui d'après, il est orange, noir et blanc. Et il est également de chez Jennifer. Donc voilà, comme je les ai achetés durant les soldes, ils sont pas chers du tout. Et en plus ils sont juste trop beaux. Et ensuite
suis, je me munis bien évidemment de tout ce qui est sous-vêtements, je me suis, si je pars, je suis en remède. Puis voilà, donc je prends les slips et les soutiens-gorge. Et ensuite, tout ce que je viens de vous montrer, j'y range dans la première partie de ma valise et j'essaye d'optimiser un maximum de place en fonction du rangement et de ce qui me restera après la vidéo à mettre à l'intérieur, puisque je ne peux pas tout mettre durant la vidéo. Je laisse les médicaments à la fin à mettre que je n'ai pas mis. Il restera mon câble de téléphone, toutes les lunettes de soleil, etc. que je ne peux bien évidemment pas mettre maintenant. Voilà, et donc ensuite, une fois que j'ai sélectionné tous les vêtements dans mon armoire que je voulais prendre, je les mets dans ma valise. Donc là, encore une fois, il n'y a pas tous les vêtements que je veux prendre. Là, c'est vraiment l'essentiel. Je vais rajouter des choses, des crop tops, des maillots de bain, etc. au fur et à mesure du temps jusqu'à ce que je parte en vacances. Ça, je me connais, je connais mes parents, etc. Donc voilà, je remplis avec des shorts, des tenues chaudes et froides selon le temps qu'il fera. Il faut toujours prévoir. Voilà, donc pour tous ceux qui se demandent où est-ce qu'on part en vacances, on va partir à Canet-en-Roussillon, donc dans l'Aude-de-Roussillon, près de l'Espagne, où on va d'ailleurs passer quelques jours là-bas. Et je vais partir en vacances avec Julie, que vous avez vu dans ma vidéo précédente, à savoir les Beauty Challenge. Et donc on a prévu sur la chaîne de vous faire des vlogs. Et voilà, j'ai trop hâte de vous les filmer, que vous puissiez les voir. On va faire un truc sympa en introduction, on a hâte de vous les montrer. Je complète avec des chaussures, donc je mets des sandales à talons pour pouvoir sortir le soir, des petites sandales pour aller à la plage et je porterai soit des Vans que vous allez voir juste à la fin, soit mes tongs, et donc j'en porte toujours 4 paires comme ça. Et donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aidera peut-être à organiser votre valise. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bonnes vacances à tous.